الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أيها الإخوة الكرام اليوم لنا وقفات إن شاء الله ديستاسيون avec سورة عظيمة في القرآن إن سورة في القرآن الكريم وسورة يعني القرآن كله عظيم Le Coran, tout le Coran est extraordinaire. Et dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la seule sourate où Allah subhanahu wa ta'ala il donne le nom d'une sourate à une femme. Et regardez, dans le Coran, on vous dit qu'il y a deux sourates qui s'appellent sourate Maryam. La première, c'est sourate Maryam, bien sûr. Mais la deuxième, c'est sourate Ali Imran. Et là, dans Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala il parle de Maryam et de sa mère. Il parle de Maryam et de sa mère, il ne parle pas du père, la famille d'Amram, comme on dit. Il parle de Maryam et de sa mère, et il nous parle de Ali Imran. Fi Ali Imran, يعني لها مقاصد عظيمة الصورة هذه. مقاصد Ali Imran, انها تكلمون على الثبات. Comment l'être humain, comment le musulman, comment le croyant, il peut tenir fermement sa foi. تكلمون على الثبات. وتكلمون, يعني الله سبحانه وتعالى يجادل أهل الكتاب. À un moment donné, à la 9e année de la présence du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, il y a un groupe de croyants, de chrétiens qui viennent du sud de l'Arabie pour voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète va discuter avec eux. Et il parle, mais alors avec quelle éloquence et quelle bienséance, où il discute avec les chrétiens de Najran qui sont venus à Médine discuter avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont restés chez le prophète 3 jours. Ces gens-là qui étaient chrétiens, qui portait la croix, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit « Enlevez tout ce qui est ostentation sur vous et venez, on va en discuter. » Ils viennent à la mosquée. Le prophète les réunit à la mosquée. À tel point, quand arrive l'heure de la prière, de leur prière, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, ils ne voulaient pas qu'ils fassent la prière. Et le prophète, il leur dit « Laissez-les. Prenez un coin dans la mosquée et faites votre prière. » Regardez bien. « Thumma yujadiluhum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an Isa » في سورة مريم الله سبحانه وتعالى يتكلم عن زكريا ويحيى ومريم ثم يتكلم كوا يبار الله سبحانه وتعالى زكريا ويحيى وحنانا من لدنا quand il parle de يحيى il parle de مريم il parle de عيسى il parle de الذين أنعم الله عليهم il va nous parler de ceux pour qui nous on fait le dua pour chaque dans chaque prière dans chaque raka'a de notre prière on demande à Allah اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الله سبحانه وتعالى في سورة مريم يقول أولئك الذين أنعم الله عليهم في سورة مريم il va nous décrire ceux qui ont été comblés par les bienfaits d'Allah سبحانه وتعالى qui sont ces gens il nous dit واذكر في الكتاب مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا واذكر في الكتاب إبراهيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسِ Il nous cite toute une panoplie de gens qui étaient liés à Allah subhanahu wa ta'ala. Qui étaient liés à Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, on ne va pas parler de Zakaria, ni de Yahya, mais on va parler juste de Maryam. Et le manzil al-azima, la place extraordinaire qu'a Maryam fil l'islam. Maryam, on est entre deux entités. Les musulmans considèrent Maryam, c'est Diqa. Siddiqa, c'est d'ailleurs son nom, Maryam min al-inqita', Maryam min Aram. Aram, هي الراغبة. الراغبة, celle التي رغبت في الله, qui a voulu Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on l'appelle Maryam al-Batul. الراغبة, العابدة التي تبتلت إلى الله. Celle qui a voulu Allah, qui a adoré Allah, à tel point, et elle a aimé Allah, à tel point qu'elle s'est coupée du monde, qu'elle s'est coupée des gens. Allah subhanahu wa ta'ala, fi surat Maryam,
يسموها العلماء سورة الرحمن، سورة الرحمات. في سورة الرحمن، quand vous regardez سورة الرحمن، الله سبحانه وتعالى يبارد الرحمن، il cite الرحمن une fois. في سورة مريم، il cite الرحمن 16 fois. سورة مريم، quel lien y a-t-il entre سورة مريم et سورة الكهف qui est juste avant؟ قال العلماء سورة الكهف c'est la sourate سورة العمل، c'est-à-dire c'est la sourate de l'action. Les jeunes qui ont fui avec leur foi. Moussa qui va chercher la vérité. Dhulqarnayn qui va sillonner le monde en essayant d'établir la vérité et d'établir l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Et sourate Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre quelque chose extraordinaire qui est ata'atillah. C'est-à-dire les donations d'Allah. À qui ? À ceux qui sont coupés du monde, à ceux qui ont voué leur vie à Allah subhanahu wa ta'ala. La leçon, elle est pour nous, ayyuhal ikhwa. La leçon, elle est pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'insan, parfois, l'être humain, il oublie. Il oublie al-musabib. Ya'amudu sabab. Je vous donne un exemple. On sait tous que c'est le travail, bien sûr, c'est grâce à notre travail qu'on va gagner notre vie. Mais on oublie que le travail, derrière le travail, il y a le donateur. Il y a le razzaq. Et le donateur, c'est lui. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, à force d'oublier ça, qu'est-ce qu'on fait ? On finit par adorer quoi ? Les moyens, l'asbab. Le gars, il te dit, je ne peux pas faire la prière. J'ai un travail. J'ai du travail. Je ne peux pas faire la prière. L'imam, il a pris du temps aujourd'hui. Il a pris 5 minutes de plus. J'ai du travail. Ils vont me virer du travail. On ne te virera pas du travail, frère. Ne t'inquiète pas. Il nous dit, allez, salat imini au midjumu'a. Allah subhanahu wa ta'ala dit, fas'aou. Accourez les dhikrillah pour le rappel de Dieu. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا زيد فامشوا في مناكبها. C'est lui qui vous a facilité la terre, alors marchez sur terre. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. Quand il parle de risque, il dit فامشوا في مناكبها. Ne t'inquiète pas. Allah subhanahu wa ta'ala t'a écrit le risque, tu l'auras jusqu'à la fin des temps. في سورة مريم, Allah subhanahu wa ta'ala il nous montre que des fois l'asbab il les coupe. Pourquoi ? Ces gens-là se sont tellement liés à Allah. Zakaria, 96 ans. Sa femme, 76 ans. وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. وهن العظم, je suis devenu faible, ya Allah. Je ne peux plus porter cet appel vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donne-moi un héritier, ya Allah. Il دعا ربه دعاء خفيا. Il a demandé à Allah, mais secrètement. Ça c'est Zakaria. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner, alors que sa femme est stérile. Allah subhanahu wa ta'ala il te dit, il passe outre l'asbab. Qui d'entre nous a ce yaqin, cette certitude, ce féroce yaqin, comme on dit, cette certitude féroce, qui croit vraiment, quand tu es malade, frère, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te guérir. Et là, regardez, waqafat, juste quelques instants, ma'asma'a Maryam, alayhi salam. Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala, il en a parlé dans le Coran, on a dit, il a donné le nom de Maryam à une sourate dans le Coran, la seule femme qui est citée par son nom dans le Coran. الله سبحانه وتعالى يدي واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا واذكر يعني rappelle-toi, rappelle dans les écritures. Mais vous devez vous rappeler, vous les musulmans, c'est ça ce qu'il nous dit الله سبحانه وتعالى, que cette chose doit être liée et tout le temps dans ton esprit, dans ton cœur et dans ta vie de tous les jours, que le lien avec Allah il ne te perdra jamais. إذ انتبذت النبيذ أيها الإخوة. Quand on parle de Nabi, fil lugha al-arabiyya, quand on parle de Nabi, c'est quoi ? À l'époque, les Arabes, ils buvaient une eau saumâtre. Et donc, ils prenaient cette eau, ils mettaient des dattes dedans. Ils mettaient des dattes dedans, ils l'oubliaient. Ils laissaient cette eau saumâtre avec des dattes dedans jusqu'à ce qu'elle devienne, allez, potable, buvable. Et à ce moment-là, ils vont la prendre. Mais si vous laissez les dattes dedans au-delà d'un certain temps, l'eau, elle va tourner, va se former des molécules d'alcool dedans. C'est pour ça que Nabid, il y a un grand débat entre le fuqaha sur Nabid. Hal huwa muskir am ghayr muskir ou halal am ghayr halal. Nabid, c'est ça. Fanabadnahu bil ara. C'est-à-dire, on l'a sorti. Ntabadat. Donc, elle s'est éloignée de son peuple. Elle s'est éloignée des hommes. Elle s'est éloignée de tout ce qui est humain. Elle voulait se consacrer exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise des termes. Regardez, on reste juste des termes fixes. « Idh intabadat ».
هذا يعظ أيها الإخوة. العلماء التفسير nous dit le moment où elle a pris la décision. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit prenez une décision dans votre vie. Décide frère, décide qu'aujourd'hui eh ben je ferai toutes mes prières à l'heure. Décide, prends une décision que je ne mangerai plus le haram. Prends une décision que je vais sortir de mes crédits. Décide, prends une décision. Aujourd'hui, j'ai décidé de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a décidé an tatabattala ila Allah, qu'elle va se couper du monde pour être liée à Allah subhanahu wa ta'ala. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. المكان الشرقي, on vous dit qu'elle est allée vers, contempler quoi? Le lever du soleil. Contempler l'est, c'est-à-dire le lever du soleil, contempler la création, de laquelle nous avons été coupés, ayyuha al-ikhwa. On nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis awqat al-salat. Les temps de prière, il les a liés à quoi? Il les a liés à des temps, au mouvement du soleil dans le ciel. Qui d'entre nous aujourd'hui regarde le mouvement du soleil dans le ciel? Qui d'entre nous regarde le temps de prière? Quand il arrive le temps de prière, il regarde le soleil. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a lié les temps de prière au mouvement du soleil? Pour regarder la création, parce que la création te rappelle le Créateur. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. Elle s'est isolée. Et elle s'est isolée de tout le monde. Elle reste en secret parce qu'elle a des secrets entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala. Et on vous dit, quand tu fais ces trois-là, quand tu t'abreuves du livre, tu t'abreuves de ce que Allah subhanahu wa ta'ala te donne, des donations divines, quand tu commences à contempler la création d'Allah, quand tu te lis à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yastafik. Allah subhanahu wa ta'ala il t'élève. Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa Ala Ibrahim wa Ala Imran ala al-alamin. Dhurriyatan ba'duha min ba'd. Dieu certes a élu Adam. Inna Allah astafa Adama wa Nuh et Noé wa Ala Ibrahim, la descendance d'Ibrahim ou la famille d'Ibrahim. وآل عمران أفهم عمران على العالمين لماذا اصطفاها الله pour tout ce qu'on vient de dire أيها الإخوة إذا أردت أن الله يصطفيك أبتفكم مريم تتبتل إلى الله وتبتل إليه تبتيل. الله سبحانه وتعالى يدي coupe-toi du monde, coupe-toi de internet, coupe-toi de la télé, coupe-toi, lève-toi le matin, وتبتل إلى الله et fais de ركعات et demande à الله avec un قلب خاشع. Et tu ne sais pas, quand Allah subhanahu wa ta'ala yastafik, quand Allah subhanahu wa ta'ala il t'élit, quand Allah subhanahu wa ta'ala il élit quelqu'un, c'est pour lui donner quelque chose d'extraordinaire. Et Maryam, malgré sa confiance en Allah, qu'est-ce qu'elle va voir? فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا. Allah subhanahu wa ta'ala il va lui envoyer le Saint-Esprit. لِمَاذَا جِبْرِيلُ يُسَمَّ رُوحَنَا. لِمَاذَا Allah subhanahu wa ta'ala سَمَّهَا الرُّوحِ. لِأَنَّهُ يَأْتِي بِالْوَحِي. Jibril, il vient avec le wahi. Et le wahi, Allah subhanahu wa ta'ala, min asma'i al-Qur'an. Parmi les noms du Coran, le wahi. Parmi les noms du Coran, ar-ruh. Ar-ruh. Pourquoi ar-ruh? Parce que sans ruh, l'être est inanimé. Il n'y a pas de vie. Celui qui sent le Coran, qui vit sans le Coran, amwatun ghayru ahya, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit. Fa'arsalna ilayha ruhana. L'ulama qalu hadha istifa'. C'est-à-dire qu'Allah, il l'a élu pour lui envoyer Jibril. Il l'envoie pas à n'importe qui. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا. Elle a dit, mais je me réfugie auprès du miséricordieux. Si tu es taqi, si tu es pieux, tu crains Allah. Moi, je suis lié à Rahman et tu ne me toucheras pas. Parce que si tu me touches, il y a quelqu'un qui me protège. Il va te prendre vraiment. مَنْ أَذَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ أَذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ. Qui d'entre nous, ayyuha al-ikhwa, il a su yaqin? Qui d'entre nous, il a cette certitude? Qui d'entre nous, il sait que quand il est lié à Allah, quoi qu'on puisse calomnier, quoi qu'on puisse dire sur lui, quoi qu'on puisse lui faire, essayer de lui faire du mal, il sait qu'il y a quelqu'un qui veille sur lui. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. Le djidar, le muret, le mur qui était fait sur Al-Kahf. Il nous parle de quoi, sur Al-Kahf? Elle nous parle de ce muret sous lequel il y avait un trésor. Ces orphelins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien.
Ils étaient chez eux. Mais la piété de leur père, Allah a fait changer les choses. Il envoie quelqu'un qui travaille pour eux sans qu'eux, ils le sachent. La piété de l'individu, ayyuhal ikhwa, Allah, il te protège par des moyens que toi, tu ne soupçonnes même pas. Ahl al-Kahf, quand ils ont fui avec leur foi, Allah subhanahu wa ta'ala fit décliner le soleil pour qu'il ne les touche pas. Autrement dit, c'est-tu lié à Allah subhanahu wa ta'ala. Non seulement Allah subhanahu wa ta'ala, il t'élève, mais il décline certaines lois physiques pour toi. C'est ce qu'elle nous apprend surat Maryam. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا سبحان الله مريم elle est étonnée. Comment elle peut être enceinte? Il lui dit, je suis l'envoyé de ton Seigneur pour te donner un bébé. كيف أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا لم يمسسني بشر. Elle avait 13 ans. Certains riwayat disent elle avait 12 ans, elle avait 13 ans. Personne ne m'a touché. Aucun homme n'a posé sa main sur moi. La chasteté. Aujourd'hui, dans notre société, si tu parles de pudeur, si tu parles de chasteté, ah, toi, tu ne respectes pas les mœurs de la société. Pourquoi les mœurs de la société, c'est de ne pas être pudique? Pourquoi quelqu'un qui est pudique, ce ne sont pas les mœurs de la société? Détrompez-vous pour ceux qui nous disent ça, les médias, les hommes politiques. Parce que la société, la société chrétienne, elle respecte Allah subhanahu wa ta'ala et elle respecte la pudeur. وَلَمْ يَمْسِسْنِي بَشَرُ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ. Ainsi a dit ton Seigneur, c'est quelque chose de facile pour moi. Quelque chose de facile pour moi. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. Quand Allah il décide, Allah il a décidé, on ne peut plus revenir en arrière. Quand Allah il décrète, on ne peut plus revenir en arrière. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala huwa alayya hayyin. C'est quelque chose de facile pour Allah. Qui d'entre nous pense que sa maladie elle est facile pour Allah? Que sa pauvreté elle est facile pour Allah? Que les soucis qu'il a sont faciles pour Allah? Souvent quand on a des soucis, on se recroqueville sur nous-mêmes. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas: ah, oh, souci, je ne puisse pas faire quelque chose contre ça. Mais dis, j'ai un Allah, j'ai un Dieu qui est grand, qui est plus grand que mes soucis, qui est plus grand que ma dette, qui est plus grand que ma maladie. Et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il peut me soulager de tout ce que je subis. Ce sont des recommandations, ce sont des leçons pour nous, ayyuha al-ikhwa. Ce sont des leçons pour nous. Ensuite, Allah, subhanahu wa ta'ala, lui dit, on va s'arrêter là. ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا c'est un signe pour les gens ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا quand elle est tombée enceinte et on dit qu'elle n'est pas tombée enceinte 9 mois tout de suite elle est tombée enceinte elle a commencé à marcher مكانا قصيا s'éloigner elle était mal. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de son état psychologique, de son état psychique. Comment elle était mal? Comment elle va rencontrer les gens? Qu'est-ce qu'elle va leur dire? Elle qui a toujours tenu à sa pudeur, qui a toujours tenu à sa chasteté, qui était toujours liée à Allah. Elle a peur de quoi, Maryam? Elle a peur de la parole des gens. Elle a peur de la calomnie des gens. Elle a peur de ce que les gens vont dire sur elle. Comme nous avons tous peur de ce que les gens vont dire sur nous. Parce que les gens, quoi que vous fassiez, vont parler sur vous. À un moment donné, فاجاءها المخاض الى جذع النخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Elle a souhaité mourir avant de subir ça. Elle a souhaité mourir alors qu'elle sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, elle sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il lui donne quelque chose, quand il lui fait passer par une épreuve, c'est pour lui donner mieux. فاجاءها المخاض الى جذع النخله. جذع النخله, elle a vu un tronc d'arbre mort. Et là, il y a les douleurs de l'enfantement qui viennent. Et là, elle souhaiterait la mort. فناداها من تحتها. فناداها من تحتها qui? Certains ont dit c'est Jibril, mais d'autres ils ont dit non, c'est Isa alayhi salam. Isa alayhi salam qui va parler à Maryam. Et là, elle voit le miracle de Dieu. Un bébé qui parle. فناداها من تحتها ألا تحزني. Comment ne t'afflige pas? Comment ne puisse pas être affligé dans un moment comme celui-là? Et nous tous, on passe par des moments comme ça, ayyuhal ikhwa. Des moments terribles dans notre vie, avec nos enfants, avec nos parents, avec nos voisins, avec des fois les autorités.
ces moments terribles. Et on dit, comment ne sois-je pas affligé ? Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit à Abu Bakr, fi kitabillah, dans surat al-Tawbah, la tahzan, inna Allah ma'ana. Le prophète dit, ne sois pas affligé, Allah est avec toi. فناداها من تحتها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا الله في كل rivière. Celui qui peut tout, il a fait couler une rivière. Il a fait couler une rivière, mais en plus il lui dit وهزي إليك بجذع النخلة, un tronc d'arbre mort, secoue-le. Et là le secoue-le, هزي. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, comme on peut, Allah subhanahu wa ta'ala il peut te donner sans les moyens. Eh bien les moyens c'est nécessaire pour que tu puisses avancer dans la vie. Donc tu vas secouer l'arbre. تساقط عليك. العلماء قال يا سيت قراءات لدن. يا سيت فاسون دو لير. تساقط تساقط يساقط عليك تسقط عليك. سيت ليكتور دو سو مو. كي veut dire que des dates fraîches vont tomber sur toi, ils vont t'envahir. فكلي واشربي وقري عينا. Mange et bois et réjouis ton cœur, réjouis ton œil. Réjouis ton œil quand tu passes par des épreuves. Pourquoi ? Parce que Rahman, il va te protéger de tout ça. Et quand tu vois quelqu'un, tu diras « Inni nadhartu lirrahman sawma ». Quand on jeûne, quand nous, alors j'ai destiné mon jeûne à Allah. Quand nous on jeûne, « Hadha ismu sawm al-mujahada ». C'est-à-dire « Jahad nafsak », tu te combats contre toi-même, contre tes passions, pour ne pas manger, ne pas regarder n'importe quoi, ne pas boire. Tu as soif, mais tu te retiens et tu jeûnes. « Maryam ». Saumul Hub, c'est un jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insi. Aujourd'hui, je ne parlerai à personne. Et si tu rencontres quelqu'un, alors elle montre le petit. Fa asharat ilayhi. Ils ont dit, comment peut-on parler à quelqu'un qui est filmat, qui est dans le berceau? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il nous dit, trois personnes ont parlé filmat. Qissat Juraïj, qissat al-Ukhdud. Quand le roi, il a mis tout le monde dans le feu, et la mère à qui il a tué, les quatre enfants, il les a tués dans le feu, le quatrième, elle a eu peur, elle voulait reculer. Il lui dit, maman, tu es sur la vérité. Tu es sur la vérité, ne crains rien. Même si tu es dans le feu, il y a une vie éternelle après ça. C'est ce qu'il lui dit. Et là, Isa, alayhi salam, nataqa fil mahdi, il va parler. Isa va parler. Et il va dire, inni abdullah, inni abdullah, lestu bi ilah. Il dit, je suis le serviteur de Dieu. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Deux éléments importants. Atani al-kitab, al-ilm. On doit apprendre avant d'affronter la société. Wa ja'alani nabiyya. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Al-mu'min, le croyant, il met la baraka là où il passe. Wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. On ne peut pas se couper d'Allah tant qu'on est en vie. وَبَرَّنْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. Et de la reconnaissance et de la bonté envers ma mère. Et Allah subhanahu wa ta'ala quand il parle de shaqa, وَلَمْ أَكُ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَبَرَّنْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا طَهَا مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى. الشقاء لا يكون مع القرآن. Tu ne seras jamais malheureux avec le Coran. Tu ne seras jamais malheureux en ayant la bonté envers tes parents. Tu ne seras jamais malheureux en faisant des appels et en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez le Coran, comment il nous enseigne. À la fin, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Thalika Isa ibn Maryam, qawl al-haq illadhi fihum fihi yamtaroun, ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanah, idha qadha amran, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. » أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة الكرام, les leçons ne s'arrêtent pas dans cette sourate. On continuera une autre fois inshallah. On parlera de sourate Al-Imran, le lien qu'elle a avec sourate Al-Fatiha et sourate Al-Baqara. Al-Qur'an lahu kunuz. Il y a des trésors dans le Coran. C'est à nous de les découvrir, أيها الإخوة. On essaiera de découvrir quelques trésors de ce Coran al-Azim. قال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون جاءنا أخ كريم يطلب منكم الدعاء il demande des dua pour une femme qui est à l'hôpital qui va subir une opération chirurgicale qu'Allah سبحانه وتعالى يشافي كل مرضى المسلمين اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين والمؤمنين يا رب العالمين وأكرمهم بصحة وعافية وفضل منك يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله